Je suis Badreddine Weiss. J'ai 30 ans. Je suis né à Alep. Mon rêve est de faire les Jeux Olympiques de Tokyo. Il a choisi l'exil pour se construire un ailleurs. De la Syrie à la Suisse, le vélo dans la peau. Parfois, je me rappelle ce que j'ai vécu. Et je me dis, ok, tu dois accepter cette douleur et te dire que finalement, tu as trouvé un meilleur endroit et un meilleur avenir. Printemps 2011, la guerre civile éclate en Syrie entre le régime autoritaire de Bachar el-Assad et les forces rebelles. 400 000 morts, 11 millions de déplacés et réfugiés. Avant la guerre, Badreddine Weiss est l'un des plus grands espoirs du cyclisme syrien. Ce jeune homme issu d'une famille aisée étudie le sport à l'université. Sur ses photos de 2009, le voici à Alep, sa ville natale. Sept ans après, voilà ce qu'il en reste. On avait une vie normale et soudain la guerre est arrivée. La vie est devenue très dangereuse. J'entendais les bombes tomber depuis chez moi. J'ai perdu beaucoup d'amis de l'école, de l'université et de mon équipe. C'était un vrai cauchemar, c'était incompréhensible. Et au bout d'un an, le régime obligeait tous les jeunes à rejoindre l'armée. En fait, je ne veux combattre pour personne parce que je ne fais pas de politique. Je ne suis pas un combattant. De cette façon-là, en tout cas. Je suis un combattant sur mon vélo, dans ma carrière sportive. Mais je n'ai rien à voir avec les militaires. Et là, j'ai dit à ma mère, si je dois rejoindre l'armée, tu me perdras moi aussi. Donc il valait mieux partir loin de la Syrie. Recherché par l'armée, Badreddine quitte son pays le 21 juillet 2014. Le Tour de France sur la poitrine et le vélo comme horizon. Je voulais aller en Belgique, car la Belgique, c'est le pays du vélo. Le début d'un long périple. Il prend ensuite un avion pour Istanbul et contacte un premier passeur pour entrer clandestinement en Europe par la Grèce. La peur au ventre. À ce moment-là, je rêvais souvent que les militaires m'attrapaient et m'arrêtaient. J'avais beaucoup de mal à dormir. À Athènes, il paye 1800 euros pour faire un passeport kazakh et prend l'avion pour Genève. Après 6000 km et 3 mois d'exode, Badreddine obtient finalement le statut de réfugié politique, ici, en Suisse. Quand j'ai vu ces montagnes et tous ces lacs, je me suis dit que ça me rendrait plus fort. Et aussi mentalement, ça m'aiderait à oublier ce qui s'est passé, ce que j'ai perdu, et à laisser tout ça derrière moi et repartir à zéro. Ce nouveau départ a lieu ici, à Berne. Hallo zusammen. So, wir haben verschiedene Auswahl für die Damen. En moins de deux ans, le jeune Syrien parle couramment le suisse-allemand et trouve un travail à mi-temps dans cette boutique de sport. Wieder 6 Stück. Yes. Depuis, il prépare les Jeux. Badreddine espère se qualifier pour Tokyo avec l'équipe des réfugiés du Comité international olympique. Ça représente beaucoup pour moi. Tu te retrouves avec les meilleurs athlètes du monde. Les Jeux, c'est les Jeux. C'est pas le Tour de France ni les Mondiaux. C'est mon rêve depuis que je suis gamin. Pour vivre ce rêve, il roule 6 jours sur 7. Par tous les temps. Après 3 ans sans compétition, Badreddine retrouve son meilleur niveau. Septembre dernier, le coureur syrien participe au championnat du monde à Imola.
Seul amateur parmi les pros, il termine le contre-la-montre à 6 minutes du vainqueur, l'Italien Filippo Ganna. Une renaissance. Le vélo lui a tellement manqué qu'il en fait partout, tout le temps. Et même le soir, avec ses amis syriens, eux aussi, expatriés. La Syrie lui manque, sa famille aussi. Moment fort l'an dernier lorsqu'il retrouve son frère lors d'une compétition en Algérie. Il ne s'était pas vu depuis 7 ans. Badreddine Weiss a peu d'espoir de revoir un jour son pays. Mais à 30 ans, il veut croire en sa nouvelle vie. Je pense qu'on peut être heureux partout, mais tu dois poursuivre ton but et tes rêves. Si tu crois en toi et que tu restes positif, je pense que tu seras heureux. Et vous croyez en vous ? Ouais, bien sûr. Et vous croyez en l'avenir ? Oui, beaucoup. Je crois en l'avenir et un avenir plein de succès.